Mission TV, le miroir du monde. Le 23 juin 2019, ensemble avec mon peuple, je t'ai dédié notre pays pour que tu t'asseyes sur le trône de cette nation comme roi, comme seigneur. Comme Moussa Lanzela Naye. Et je prie que quand lui verra toutes ces choses qui disent non, ça ne vient pas de moi, c'est Dieu qui l'a fait. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Éternel, ô Dieu, donne à notre peuple tout au long de cette année 2021 de créer, d'innover, d'inventer et de produire. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremple Royal sous Kanamasulo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremple Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremple Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremple Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremple Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salemana Nouté, le complexe hôtelier Tremple Royal, le confort est le nôtre sous Kanamasulo. Chez Tremple Mananouté, le complexe hôtelier Tremple Royal, le confort est le nôtre sous Kanamasulo. Chez Tremple Royal, le confort est le nôtre sous Kanamasulo. Chez Tremple Royal, Kanokakae. C'est la raison pour laquelle, Excellence, je vous invite avec tout le respect, si vous pouvez venir avec tout le peuple debout, nous allons rendre grâce à Dieu et nous allons lui recommander 2021. Je vais inviter l'apôtre Dalo de pouvoir se joindre à moi et l'apôtre Lushima de venir aussi. Éternel, mon Père et mon Dieu, le Dieu de la République démocratique du Congo, mon Père et moi-même sommes ici devant toi pour te rendre grâce pour les hauts faits pour notre nation, cette bonne, merveilleuse et si riche nation que tu nous as offerte. Le 23 juin 2019, ensemble avec mon peuple, je t'ai dédié notre pays pour que tu t'asseyes sur le trône de cette nation comme roi, comme seigneur. Aujourd'hui, devant mon peuple, je reviens
pour reconnaître ses actions dans notre pays, la République démocratique du Congo. COVID-19, une pandémie qui a bouleversé le monde entier et qui a aussi touché notre nation, n'a pas produit de dégâts comme certains l'avaient prédit. Vu que notre système sanitaire ne nous donnait aucune garantie d'avoir un pays debout après le passage de cette pandémie. Nous avons eu certains décès, certes, qui ont par ailleurs endeuillé plusieurs familles de notre pays. Non seulement tu nous as guéris, mais tu nous as aussi protégés. Éternel, ô notre Dieu, nous voulons reconnaître ta main qui a agi au niveau économique, nous protégeant contre la banqueroute. Merci pour avoir permis que nos enfants soient pris en charge par la nation en ce qui concerne leur éducation scolaire. Merci d'avoir permis que la République démocratique du Congo revienne sur la scène internationale. Merci de nous avoir aidés à conserver l'unité nationale et l'entièreté de notre territoire malgré les défis sécuritaires auxquels nous faisons face quotidiennement à l'est et au nord-est de notre pays. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus, qui brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes. Psaume 24, de 7 à 10, je lis au nom de Jésus. Porte des cieux, porte de la terre, porte des eaux de la République démocratique du Congo. Élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée avec les joints. Alléluia! Alléluia! Yes. Avec les joints que nous sommes dans l'année 2021. Qui donc est ce roi de gloire? L'éternel fort et puissant. L'éternel puissant dans le combat. L'éternel puissant dans le combat. L'éternel puissant dans le combat. À jamais il sera.
l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Déclaration pour 2021. Éternel, ô notre Père, nous voici devant toi, mon peuple et moi-même, pour te confier 2021. Laisse que cette année 2021 soit une année de la construction de notre nation dans tous les secteurs de la vie nationale. En 2021, que l'écart entre les richesses potentielles et les richesses réelles disparaisse. Que la COVID-19, dans sa deuxième vague, ne fasse aucune victime parmi ton peuple sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Je déclare, en tant que ton serviteur, l'arrêt total de la guerre dans notre nation. Et la paix et la sécurité pour tous, particulièrement à l'est et au nord-est de la République. Je proclame la fin de l'injustice dans notre pays. Je proclame la stabilité de nos institutions, de notre armée et de la police. Je déclare que notre jeunesse, au cours de l'année 2021, intégrera les valeurs morales, éthiques, républicaines, le gage du développement. Éternel, ô Dieu, donne à notre peuple, tout au long de cette année 2021, de créer, d'innover, d'inventer et de produire. Que le travail soit une valeur dans le chef de nos concitoyens. Je prends l'engagement de revenir encore, de rendre des actions de grâce quand tu auras accompli toutes ces choses que je viens de demander. Bénis ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vois les grandes déclarations faites par les présidents. Que Dieu vous bénisse. J'entends les chaînes tomber. Excellence. Si nous allons faire deux choses, s'il vous le permettez. La première, dans quelques mois, vous allez prendre la présidence de l'Afrique. Et nous voulons vous prier, nous voulons prier avec vous pour vous préparer par rapport à cela, si vous le permettez.
Et la deuxième chose, nous allons concrétiser cette union sacrée qui est l'union pour toute la République et non pas l'union pour un groupe de la République. Que tout le peuple du Congo s'associe à vous et vous donne l'onction afin que vous puissiez relever tous ces défis selon les proclamations que vous venez de faire. C'est ainsi que je demande à tous les hommes de Dieu qui sont là de pouvoir élever la voix, d'étendre la main vers l'excellence du président de la République et de déclarer qu'en 2021, lorsque le chef de l'État prendra la présidence de l'Afrique, il va impulser l'Afrique dans une autre dimension parce que la RD Congo est le catalyseur du développement de l'Afrique. Est-ce que nous pouvons élever tous nos voix et déclarer ces choses? Oui, éternel Dieu tout-puissant, toi qui as élevé ton serviteur jusqu'à l'EIC, là où notre Dieu, il sera le président notre Dieu de l'Union africaine. Seigneur, merci pour la sagesse, pour l'intelligence, merci pour la force, la santé, le discernement, le jugement, les capacités que tu vas lui donner afin que par lui, Seigneur, l'Afrique ait l'impulsion pour aller à son développement. Nous te rendons grâce parce que tu accompliras ces choses, non pas parce que nous t'avons demandé, mais parce que tu l'avais créé pour cela. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait accomplie? Apôtre Dalo. Seigneur notre Dieu, avec ton peuple ici réuni comme un échantillon et des millions disséminés à travers le pays qui nous suivent à cette heure, nous faisons monter nos voix comme un seul homme. D'abord pour te dire merci pour cette soirée merveilleuse. Merci pour des choses que nous avons entendues, des choses qui ont été dites, des prières qui sont montées vers toi. Nous voulons te dire merci pour ces actions de grâce sorties de la bouche du premier d'entre nous. Mais nous voulons aussi, Seigneur, dire amen et sceller toutes ces requêtes et toutes ces prières pour lesquelles nous croyons, selon que la Bible dit, quand le juste écrit, l'Éternel entend et de toutes ses détresses, il les délivre. N'es-tu pas celui qui a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées, celles que tu ne connais pas. Mais Seigneur, au-delà de prier simplement, je me tiens à cet homme, non seulement un citoyen parmi les nombreux citoyens que le président dirige, mais je me tiens aussi comme père, parce que tu m'as donné une position et une fonction spirituelle à laquelle je crois. Et j'élève ma main pour proclamer ces trois choses. Je déclare la consolidation de tout ce qu'il a commencé à faire. Amen. Je déclare tel que tu l'as dit à Zacharie alors qu'il était en train de se poser des questions sur ces temples qui avaient, dont la construction avait commencé, pour quelques raisons s'est arrêté. Tu as envoyé ton serviteur, tu as dit, va dire à ces hommes, les mains de Zorobabel ont commencé à construire, ces mains l'acheveront. Je voudrais déclarer que tu l'as achevé, tout ce que tu commences, tu l'amènes jusqu'au bout. Et tout ce que tu as commencé avec lui, tu vas l'amener. Parce que tu me l'as mis à cœur. Selon Actes 5, au verset 39, alors que les apôtres pensaient que leur heure était finie, cet homme rempli de sagesse, appelé Gamaliel, s'est levé. Il a d'abord dit, ne courez pas le risque d'avoir combattu Dieu. Et puis il a dit, cette affaire vient de Dieu, vous ne pouvez l'arrêter. Papa, je voudrais déclarer, et je l'ai dit avec tout mon cœur parce que tu l'as placé dans mon cœur, aux ennemis internes et externes, ne courez pas les risques d'avoir combattu Dieu. Je le crois, je le déclare, à l'intérieur comme à l'extérieur, tout celui qui essaiera d'arrêter cet œuvre, parce qu'elle est de toi, tu vas t'en occuper. Amen. Tu as déjà commencé à le faire et tu vas le faire encore. Seigneur, permets que les gens s'alignent. Permets que les gens s'alignent et reconnaissent que tu es en train de travailler. Et la troisième chose que je te demande, Seigneur, une sagesse, une compétence, des aptitudes que ni l'université, ni les livres, ni l'école ne peut donner,
Et tu passes celui qui a rendu Daniel sage ainsi que ses amis. Seigneur, j'ai prié et pour notre nation. Et pour ces temps, il va s'occuper de l'Afrique. Allez, j'aimerais te le dire en lingala, en kolo, kambusaye moko d'abord. À chaque solution qui sortira de sa bouche, que lui-même s'étonne, il se demande d'où ça vient. Mais je prie et je voudrais le dire encore en lingala, kambusalanzela naye. Et je prie que quand lui-même verra toutes ces choses qui disent non, ça ne vient pas de moi, c'est Dieu qui l'a fait. Nous te bénissons, nous te bénissons. Et je voudrais le déclarer en clôturant parce que ça monte dans mon cœur. L'heure du Congo a sonné. L'heure du Congo a sonné. Il y a plusieurs années, en 60, des gens ont chanté un chant comme des prophètes. Je me suis toujours posé la question, comment l'ont-ils composé? Et depuis plusieurs années, ces chants n'est resté qu'un souhait, pieux, du désir. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta prospérité. Papa, nous refusons que ces paroles restent seulement dans un chant. Nous ne voulons plus continuer à les répéter. Nous déclarons que, Seigneur, ces paroles vont commencer à s'accomplir. Amen. Et déjà par ta grâce, nous allons commencer à voir les premiers signaux. Et ces signaux iront en grandissant. Papa, merci pour l'histoire que tu es en train d'écrire avec et au travers de ton serviteur. Tu as commencé et tu vas achever. Et tout le monde reconnaîtra que c'est toi qui es derrière. Au nom de Jésus, et tout le monde dit avec moi, Amen. 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 Excellence, tout le peuple congolais vous souhaite une heureuse année 2021 et succès dans toutes vos entreprises au nom de Jésus. Et pour faire une déclaration. Pendant quelques minutes, on va saluer avec elle. Observation de cette barrière. Regarde un frère, souhaite. Regarde une soeur, souhaite-lui bonne année. Ta conjointe à côté, ton conjoint, souhaite bonne année. Dis quelque chose de bien à quelqu'un aujourd'hui. Dans cette nouvelle année, on a besoin d'être accompagné par un meilleur ami. On a besoin de Jésus comme un meilleur ami. On a besoin du Saint-Esprit comme le paraclet, l'accompagnateur, le consolateur. Alors que notre sœur, vous êtes en train d'interpréter ce chant, je voudrais que ceux-là qui sont attitrés aux offrandes puissent les préparer le panier pour qu'ensemble, quand on aura fini de se présenter le vœu, je veux qu'on donne à Dieu de tout cœur la première offrande de l'année. Pendant que tu salues quelqu'un, tu le présentes de vœux, notre sœur Rosine est en train d'interpréter ce chant. Jésus, mon meilleur ami. Mon meilleur ami, mon ami de tous les temps, toujours pour me consoler. Mon meilleur ami, mon image va monter, à côté de ça, la bagarre me donne, ma belle personne, il s'en est à la bagarre, à la bagarre, à la bagarre, à son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. La dépression a frappé ma porte, car impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Quand le diable allait frapper à ma porte, Yahweh a
toi Jésus, je reviendrai à jamais. Nous voulons passer pour le roi. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Et sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je reviendrai à jamais. Nayembeli mokonzi zambe nangai. Alléluia, alléluia, kembo, kembo. Hosanna na Yahweh, kembo kembo, hosanna na Yahweh. Alléluia, hosanna na Yahweh, kembo kembo, hosanna na Yahweh. Alléluia, kembo kembo, hosanna na Yahweh, kembo kembo. Alléluia, 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 na Yesu. Ari papa. Alléluia, 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 na Jehovah. Alléluia, alléluia, papa. Ana zambe bakoyemba, bakobeta milolo, milolo, milolo. Alléluia, alléluia, emba alléluia. Tambola, 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 Tambola
Otombama, Yesu tombama na yo. Otombama, Yesu tombama na yo. Na 2021, Yesu tombama na yo. Otombama, Yesu tombama na yo. Ode kita maladi e kita, Shilo tombama na yo. Otombama, Yesu tombama na yo. Corona esi li tobeti mi lolo tombama na yo. Otombama. Oh Yesu tombama na yo papa. Tombali 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 tombali. Tombali corona ni onse shiye. Tombali oli corona na diya ya. Tombali oli corona kufa ya. Tombali mi lolo mi lolo mi lolo. Oh bumi saye. Hallelujah. Oh, Nicolae. Hallelujah. Oh, Mwambani. Mwambani. Oh, Mwambani. 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 TV, le miroir du monde.